Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode des Bangers de la semaine. On va vous montrer les plus belles pépites qu'on a reçues, et il y en a beaucoup. C'est parti! Sans plus attendre, on passe au plus vieux maillot de la semaine qu'on a reçu. C'est le maillot du Paris Football Club, saison 1978-1979, domicile aux couleurs du club. C'est le maillot du retour en première division. Bon, ça se passe pas super bien, puisque le PFC termine 19e, ce qui est synonyme de barrage. Ça se joue face au Racing Club de Lens, mais le club perd, et donc descend en deuxième division. Pas un superbe souvenir, je pense. Donc voilà, l'équipementier c'est Coq Sportif, le sponsor européen qui est assez répandu à l'époque. Je sais pas si ça se voit bien à l'image, mais le maillot brille à la lumière, ce qui lui donne un style assez particulier. Il y a les couleurs du club sur le col. Manche longue, je valide. Et on passe tout de suite au maillot porté de la semaine. Et c'est un maillot du Sporting Club de Bastia. C'est la tenue extérieure saison 97-98, grande saison pour le club corse. Cette année-là, les Corses ont remporté la Coupe Intertoto, qui les ont qualifiés pour la Coupe UEFA. Ils ont éliminé Benfica, bien joué, avant de se faire éliminer par le Steaua Bucarest. Ce maillot a été porté par le numéro 13 lors d'un match de Coupe de France face au FC Metz. Alors il a été échangé à la fin du match avec un joueur de l'équipe adverse, et il nous provient directement de la collection du joueur messin, et on a un certificat pour l'attester. Donc voilà, superbe maillot, manche longue, qui brille aussi à l'image. Les flocages sont nickel, toujours Adidas. Voilà, maillot assez rare quand même, parce que c'est une très très bonne saison pour le Sporting Club de Bastia. Et il est assez sympa, sobre mais élégant. Et on passe au maillot floqué de la semaine, c'est le maillot d'une légende, c'est celui de Pavel Nedved avec la République Tchèque. Alors pour les plus jeunes, Pavel Nedved c'est une légende du football, il a remporté le Ballon d'Or 2003. Il a fait une grande carrière que ce soit à la Lazio ou à la Juventus. Alors ce maillot a été porté par les Tchèques lors de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Alors la République Tchèque a fait une compétition assez mitigée. Ils ont remporté le premier match de poule face aux États-Unis 3-0, propre, mais après ils se sont inclinés face au Ghana, et face au futur vainqueur de la compétition, l'Italie. Donc voilà, maillot de la République tchèque extérieur porté lors de la Coupe du Monde 2006. Il est en version manche longue et en version pro, donc la matière est un peu différente. On peut y voir le blason de la sélection nationale. Je ne sais pas si c'est un tigre ou un lion, mais en tout cas, il est en relief, ce qui lui donne un style assez particulier et assez sympa. Et on passe tout de suite à la veste de la semaine. Et la veste de la semaine, c'est la veste de l'Allemagne 2022 portée lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Alors elle est très sympa, zébrée, tigrée, appelez ça comme vous voulez. J'adore les coloris, j'adore le motif. En plus de ça, il y a une petite capuche. Bon, une grande capuche puisque moi je fais du S, pas du L. Mais on a cette veste dans toutes les tailles. Bon, c'est pas un bon souvenir pour les supporters allemands puisque l'Allemagne s'est fait éliminer dès la phase de groupe dans un groupe où il y avait l'Espagne et le Japon. Mais bon, moi je vous parle de cette veste parce que déjà c'est un tout petit coup de cœur, mais surtout... puisqu'on l'a neuve avec étiquette, tour de magie, et on l'a dans toutes les tailles. Et si je peux vous donner un petit secret, elle est en promo sur le site, allez voir. Et on passe tout de suite à mon coup de cœur de la semaine. Ok l'équipe, bon, j'ai enlevé la veste parce qu'il fait trop chaud. Mon maillot préféré de cette semaine, c'est le maillot domicile du Milan AC, saison 1990-1991. Si vous êtes un vétéran, un senior, ce maillot il vous parle, c'est certain. Il n'y a que des pépites qui ont joué sous ce maillot, Gullit, Van Basten, Rijkaard, bref, que des génies. Bon, c'est une très bonne saison pour l'AC Milan, deuxième de Serie A, ça va, mais ils ont surtout gagné la Super Coupe d'Europe et la Coupe Intercontinentale. Pas mal. Et voilà, j'ai choisi ce maillot tout simplement aussi parce que c'est un maillot mythique de l'AC Milan. Je le trouve super beau, il n'y a pas le logo de l'AC Milan, il y a la Ligue des Champions. Mediolanum. Que dire de plus? Juste, si vous connaissez pas ce maillot ni cette équipe, renseignez-vous, allez regarder des vidéos, des documentaires. Vous allez voir, ça c'était du football. Bon, j'ai un peu tout inversé, mais on va passer au maillot insolite de la semaine. Il est assez particulier, c'est parti.
ce maillot taille déjà mieux que la veste de l'Allemagne. Bon, normal, c'est du S. Et on passe à la dernière rubrique de cette vidéo, c'est le maillot insolite de la semaine. C'est celui d'Everton, saison 2010-2011, le maillot extérieur. Je vous laisse quelques secondes pour assimiler ces informations. Et on en parle. Alors attention, ils n'ont pas choisi ces deux couleurs au hasard. La combinaison de ces deux couleurs permettrait de mieux voir ses coéquipiers sur le terrain. Je vous laisse tester, j'ai pas testé, je sais pas. Mais en tout cas, s'ils l'ont dit, c'est que c'est peut-être vrai. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à lâcher un petit pouce bleu. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, pour les bangers de la semaine numéro 4. Ciao.